Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Let's Play Découverte Décoration d'intérieur. Alors, certes, on avance doucement, sûrement, et on tue les clients pas contents. Nous retrouvons Kurt, qui est intrigué par ce qu'il voit à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'il voit-il donc? Oh hey, Guna. Une femelle. Mais qui donc? Ah, bah en plus, elle s'est carapatée. Elle est là. Mon dieu. C'est Astray. Yo, YouTube. Et Astray, c'est une copine. Hein. Il a le béguin pour elle, hein, faut s'avouer. Hein. Voilà, voilà. Il la drague. C'est pour ça qu'on vous a gardé de côté, parce que... Parce qu'il va faire une famille à Astray. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh, qu'ils sont mignons. Bon, allez, racontez une blague sur les ingénieurs. Ça se dragouille, tout ça. Avouez son attirance. On va regarder doucement. Faudrait qu'ils se mettent ensemble avec un rancard. C'est plus logique quand même, non? Que des gens mariés ici. Pas moi. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur Twitch pour encore plus de fun, de malveillance et d'amour. Tout à fait. On se demande la malveillance et l'amour si ça marche les deux en même temps, mais. Il faut venir sur le live et puis vous saurez si c'est compatible. Voili voilou. Donc, on va prendre un nouveau contrat. Rénovation de pièces, de chambres d'enfants, de salles de bain, de chambres de cuisine, de dressage, salon et de cuisine, étage cuisine. Nous n'avons pas le commercial, nous avons que du résidentiel. Bah écoutez, vous allez me marquer en premier lieu si vous voulez que ce soit étage ou pièce. Après, pièce, eh ben, on détaillera. Si vous voulez plutôt faire du dressing, de la chambre, du salle de bain, tout ça. On a quand même pas mal de choix. Il y a on fera pas celles qui sont vagues. On va faire carrément celles qui sont désignées, genre chambre d'enfant ou salle de bain, ou chambre ou cuisine ou dressing. Ou salon et cuisine. Voilà. Les étages, c'est salon et cuisine. Étage et étage cuisine. Ok, retenez bien. Et pièce, c'est le reste. Qui a un peu de tout. Ça vous va? Est-ce que je peux faire le sondage? Comme ça, vous me dites si vous voulez juste pièce ou étage. Sachant que je vous rappelle que pièce, ce sera genre chambre d'enfant, salle de bain, chambre, cuisine, dressing. Ou étage, salon et cuisine, étage et étage cuisine. Comme ça, moi... Voilà. Je le fais comme ça. Alors, ce sera pièce, étage. Vous inquiétez pas, je le fais. Vous avez 2 minutes pour voter. C'est parti. N'hésitez pas à refresh si vous ne le voyez pas pour que vous puissiez voter dans le chat. Ah, vous avez commencé déjà à écrire. Pièce. Désolé, du coup, je préfère que vous écriviez, que vous votiez comme ça ceux qui sont timides et qui veulent pas écrire. Oui, qui veulent pas écrire. Vous votez quand même. Et salut Lynch, comment vas-tu? C'est un bébé. Mon soldat, c'est une bébé, mais elle est là depuis longtemps. Donc moi, je l'ai bercée, hein. Tout ça, je lui ai donné le biberon et des coups de pied au cul, hein. Tu crois quoi? Je l'ai bien élevée, hein. C'est pour ça qu'elle est là. On peut pas dire que ce soit le vrai bac. Avec le Covid, on n'a pas fait d'allagement, donc je peux pas vraiment dire. Ouais, de toute façon, ceux qui passent le bac, là, et tout. Franchement, c'est bradé, quoi. Votez les silencieux, c'est ça, Ricardo. Je leur fais pas peur, s'il vous plaît. Je suis tellement en harmonie avec le chat ce soir, la chaleur m'a tapé sur la tête. Bah, qu'est-ce qui se passe, ma petite, mon soldat? Tu es d'accord avec la majorité? C'est ça que t'es en train de me dire? Ah, c'est incroyable du cul, ça. Berthe est trop près du mur. Oh là 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 là. Bah, écoutez, pour l'instant, je vais pas cliquer. On va continuer à se mettre la petite Astray dans la poche. Vous inquiétez pas, je vais reprendre
J'espère que ça ne fera pas changer, mais en vrai... Pourquoi ils vont dehors? Qu'est-ce qui se passe? Ça va vraiment pas bien. Tu vas lui offrir une rose et lui murmurer suavement. Oh, ma belle Astrae, je vais te faire une famille comme t'en as jamais rêvé. Vas-y, appelle-moi encore mon soldat et je serai plus ton petit mouton né Eirix B. Pardon, je suis comme vendu, excusez-moi. Et oui, sorry. Sorry. Mais oui, pourtant plus, je sais que c'est toi et je sais pas pourquoi j'ai dit mon soldat. C'est vrai? Je sais pas, bah, ouais, vraiment. Mais oui, Ricardo le malveillant, évidemment. C'est ta vraie nature, ça, Ricardo. On te connaît? En tout cas, moi, je te connais. Je suis désolée. Ouais, en plus, je sais que c'est toi le mouton noir. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon soldat, elle avait son pseudo juste sous mon pif et que mon pif, il a lu que ça. I am sorry. Vous voulez me fesser, c'est ça? Allez, c'est parti. Vous avez donc choisi pièce. Alors, ben, autre petit sondage, du coup. Très bien, nouveau sondage. On va avoir le choix. Donc, les pièces libres, on va pas faire, parce que sinon, ça va être trop vague. Chambre d'enfant. Sachant qu'il aime pas ça, en plus. Il aime pas les gosses. Chambre d'enfant, salle de bain. Chambre... Alors, j'espère qu'on aura assez de place, hein. Chambre, cuisine et dressing. Oui, c'est ça. C'est bon, ça passe. Et dressing. Bon, là, on a du choix. C'est parti pour 2 minutes. Également, n'hésitez pas à refresh si vous ne voyez pas. Ce sera un de ces budgets. Donc, de toute façon, pire... Au niveau du budget, on fera avec. C'est pas très, très grave. Et au niveau de la rémunération, c'est pas non plus... Incroyable, la cuisine paye plus, mais le budget n'est pas GG. Voilà. Si vous voulez savoir. Ensuite, c'est chambre et dressing qui sont un peu... voilà. Après, c'est salle de bain. Ah non. Ah non, pardon, c'est la chambre d'enfant qui paye mieux. Après. Enfin bref. J'ai bien vu que tu savais que tu parlais de moi. Vas-y, penche pour la fessée. Ah oui. Chambre d'enfant pour lui faire plaisir. Oh là 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 là. Envie d'un hot dog. Oh là là, pourquoi hot dog? Qu'est-ce qui se passe? Ah! J'avais pas vu le chien et sa saucisse. Vous êtes grave. Vous êtes pire que moi en fait. Vous êtes pire que moi les enfants. Tu fais quoi, Jamie? Il regarde fixement le ventilateur. Tu l'aimes bien? C'est comme dans les Sims, t'aimes bien l'objet du ventilateur, c'est ça? Oh, Titi! Oh, Titi Choupette! Tu es beau, mon garçon! Il s'est allongé tout son long sur le carrelage, c'était magnifique. Il vous reste quelques secondes pour voter entre la chambre d'enfant, la salle de bain, la chambre, la cuisine et le dressing. C'est maintenant ou c'est jamais. Votre voix peut tout changer. Alors bien sûr, on va pas... J'espère que c'est pas un 50-50 parce que... Non! Ah oui, il y a une grande majorité quand même. Claquer une bonne fessée. Grand sourire et oui, YouTube ici, on s'amuse, venez. Venez. C'est parti pour la chambre d'enfant. Quel bonheur. Ah là là. Technique de dry. Allez. Comment s'est passée la journée en fait, chérie, ma belle? Comment vas-tu? Ah là, c'est chaleur. On y va? On l'embrasse, on l'embrasse pas? Il est plus. On va essayer de lui remonter un peu sa vibe de la mue. On y go? Ah, il veut plus. C'est parti! Sont dans la cage escalier à côté de la poubelle. Ouh, le rapprochement physique. Le palpitant qui palpite! Ah oui!
Oh, Astrée. Mais Astrée, c'était déjà tapé les fantômes là. J'avais oublié, je viens d'y penser. Astrée, c'était tapé Bonilda. Ah, j'avais oublié ça, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, si tu veux, tu peux rester pour baiser toute la nuit si tu veux. Mais alors demain matin, 9h, je pars bosser, moi. Il est que 18h47. Un petit baiser passionné. Et embrasser. Une famille Astrée qui démarre. En vrai, je crois que c'est son premier vivant. Il y a le moyen. Je sais plus. Je crois que c'était appelé Bonilda. Le mec de... comment il s'appelle déjà le mec là qui est sur les tableaux là. Guidry. Voilà, Guidry. Eh, allez. Juste crac crac, on va pas faire de bébé. Hein. Il aime pas ça en plus. Il aime pas ça les grosses. Guidry. Il y a moyen, hein. Elle va sentir la différence, hein. Un mec tout chaud et tout dur. Pardon. Ça pourrait être chaud, il est chaud. Oh là là, sexitude avec son petit shirt. Et ses pantoufles rouges. Oh, Kurt va faire crac crac pour la première fois. Ce n'est pas le cas d'Astrée, évidemment. Et merci Marc pour ton follow, bienvenue à toi. Ça va faire bizarre de ta tête de la viande. La viande vivante, avec les nerfs qui bougent, tout ça. Salut Marc, comment vas-tu? Et merci Tiffen pour ton follow, bienvenue également. Oh. Bon. Ah bah ça fait du bien par où ça passe, dis. Il est dépucelé maintenant, Kurt. Alors dîner, tu vas servir le dîner. Ah, et qu'aux saucisses, parce qu'après l'amour, les proutes, allez, tout dans la finesse ici. Tout dans la finesse. On va lui préparer un bon petit plat plein de proutes. Comme ça, on s'aimera jusqu'à l'odeur de nos entrailles. C'est bon. Hein. Pas de soucis, Coco, des bisous. Bonne nuit à toi. Peut-être à demain. Salut, Tiffen, comment vas-tu? Non. La saucisse. La saucisse. Mais dans les Sims, ce plat-là, il les fait péter. Tous les Sims qui vont manger ça, ils pètent. C'est vrai. C'est rigolo. Sauf quand tu oublies que ça fait péter et que t'as envie que ce soit un peu classe et là ils sont là. Là tu fais oh non merde. Ou des fois ils font eux-mêmes le plat et tu regrettes parce que ben, tu sais qu'ils vont pas arrêter de péter. Ouais, elle dort. Hein. Au moins comme ça à 9h du mat elle sera partie. Hein. Tu seras tranquille mon petit. Tu prendras ton bain après. Vous pouvez vous laver ensemble. C'est les voisins, c'est ça? La tambourine à la porte. Ah bah ça l'a réveillée là, Astrée. T'inquiète, coquette, copiette, on va aller calmer le jeu chez les voisins et après on te reprend par derrière. Du métal! Dis-moi, tu sais quoi? Tu sais. Faire quoi depuis un GSM en tant que modo? Rien. R. Je sais pas. Elle est toujours en train de dire qu'on peut rien faire. Oh là là, ce look! Incroyable! C'est pas dans les colères du bruit. Omar Jawad? Jawad, c'est pas le gars qui. Tout ça? Bah, je sais pas, j'ai rendu service? Non, c'est pas ça? Gros vilaine, mais c'est vrai! C'est vrai, Marie est toujours en train de dire bah, je peux pas le faire, je suis sur mobile. Donc j'ai l'impression que c'est ça en fait.
Ah, c'est pas grave, tu vas retourner voir Astray. Ça va te faire du bien. Ah, ils ont arrêté la musique, parfait. 23h, c'est bon. Une tendance à lui tout seul, t'as vu, hein? Incroyable. Eh ben, rebonsoir, Marc. Oui, je sais que t'es sur les Sims. Oh, c'est quoi ça, mon titoune? C'est une mouche? Ouais, Tyrion qui est motivé à choper une mouche. C'est un vrai chasseur. Mais le petit aussi, hein. Sauf que le petit... James, il saute et puis il se casse la gueule parce qu'il il fait pas attention à l'environnement qu'il y a après. Donc en fait, il se prend des chaises, des bouts de un peu tout. Et puis il se retrouve comme ça parce qu'il a sauté ou il tombe. Il arrête pas. Mais c'est un casse-cou hein, quand je vous dis qu'il est taré, il est taré. Hein. Elle est partie, mon titi. Elle est partie, la mouche. Bah ouais, ma bichette. Qu'est-ce que tu fais? Nettoyer, mais c'est bon, ça va, tu vas pas mourir parce qu'il y a un bol qui traîne. Allez, refais. Je veux qu'il dorme. Comme ça. Ça va pas le tuer, il est dans un fleur de l'âge. Bon, elle dorme. Ça. Si elle veut pas dormir, tant pis pour elle. Hein. Mais c'est vrai que normalement... Elle dormait la journée pour travailler la nuit. Hein. Je vous rappelle qu'elle est médium de base. Hein. Les gens, je vais me coucher. Je commence à m'endormir. Je vais aller me coucher. Passez tous une bonne nuit. Je suis ravie d'être de retour. La bise à Jean 21, boule. Des bisous, Alex. Bonne nuit à toi. Repose-toi bien. Et à très bientôt. Je vais aller au lit aussi. Des bisous. Et bien, des bisous, Marie. Bonne nuit également. Ah ben voilà, elle pète. Et bonne nuit, tout le monde. Celles qui vont se coucher. Et à ceux qui ne vont pas se coucher, ben, n'hésitez pas à... Ouais, elle préfère dormir sur le truc, elle, n'importe quoi. Ben, n'hésitez pas, c'est tout. Juste, bonjour, voilà. N'hésitez pas. Bon, j'accélère parce qu'il est 4h du matin. Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, elle prend son bain, elle fait des pompes, d'accord. Quelle énergie! Astray, est-ce qu'elle aime le fitness? Nous avons une vampire qui est en train d'attaquer. Mais la vampire, elle est à moitié à poil. Oh merde. Comment c'est? Salut Yoshi, comment vas-tu? Je t'ai pas vu arriver. Mon caporal, je ne suis point caporal, voyons. Je suis juste la déesse. Je suis une déesse, je suis une reine. Écoute, c'est comme ça. Je n'ai pas encore la couronne, mais... Mais ça va, ça, elle s'est passée. Elle s'est passée. Et elle se passe encore. Et toi? Oui, non, oui. Deux oui, un non pour aimer le fitness. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, ma petite sujette. Eh, j'y peux rien pour la reine. C'est pas moi qui ai le melon plus gros que mon cul. Hein. C'est mes abonnés qui m'ont fait une vidéo pour mon anniversaire où ils ont sacré moi, enfin mon Sims, donc moi, en tant que reine des petits culs. Hein. C'est eux qui l'ont fait, hein, c'est pas moi. Hein, donc, voilà, c'est comme ça. Je te flatte, c'est ça, je te mousse. Mais non, je te mousse, voyons. Elle fait que ça, des pompes, la petite. Ouais. On dit qu'elle aime. Elle aime le fitness, ça lui fera peut-être maigrir du cul. Comment elle le regardait, genre... Non, non, c'est pour elle qui m'intéresse. Jolie la demoiselle, hein. Plutôt cute, hein. Je crois que c'est la fille de la sorcière. Et elle doit être la fille de Caleb. C'est sûrement la fille de Caleb. Ouais. C'est la fille de Caleb. Mais, ah oui, puisque Caleb, il est mouru maintenant. C'est vrai qu'on l'a tué. Et eh ben ça, c'est sa fille, hein. Bah, franchement, il peut faire des beaux gosses, non? Il peut faire des beaux enfants, regardez comme elle est mignonne. Putain, faudrait que je la réutilise, en vrai. Faudrait que je la réutilise, que j'aille la choper. Bah, il y a un petit problème de menton, quand même.
Oh, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, hein, cette agression de vampire, quand même. Tu me mousquilles, je suis bête quand même, mais non, t'inquiète. C'est pas un fils que t'as tué au plus. Si, il a eu un enfant dégueulasse qu'on a tué également. Mais en fait, c'est une partie que j'avais déjà commencé, à laquelle j'avais déjà joué. J'avais fait une sorcière en fait qui faisait que des. Que des filles qui faisaient des enfants avec les hommes de. Dans les Sims. Et dès qu'elle avait un garçon, elle le virait, en fait. Et en gros, elle voulait que avoir des filles. C'était juste comme ça, hein. C'est un truc que je ne suis pas allée très très loin. Ou c'était une sorcière, entre guillemets, tu vois. J'avais pris un mode avec des trucs de sorcellerie, mais c'était pas GG. Et j'ai arrêté, j'ai pas joué plus dessus, sauf que je me suis resservi de cette partie pour jouer la partie d'Astrée, et là, pour la partie de Kurt. Mais c'est tout. Voilà, c'est juste des trucs... Il n'y a rien d'incroyable. Mais c'est vrai que Caleb, ben, il a eu cette fille avec ma personnage. Et le mec dégueulasse qu'on avait vu. De toute façon, c'est pas grave, maintenant il est mort. Oups. Oupsie. Eh bien, Mina, en tout cas, un poil grisâtre pour moi. Oui, parce que sa mère, la mère de la sorcière, elle était très blanche de peau. J'avais fait exprès de faire un truc un peu particulier pour... différencier un peu de la marée humaine, vois-tu. Bon, après, elle a d'autres enfants qui sont pas forcément les plus beaux. Hein. Elle a fait un gosse avec Vlad, je pense. Une fille avec Vlad, et elle est juste dégueulasse. Mais je crois que je lui avais fait faire de la chirurgie, parce que vraiment, elle était horrible, la meuf. Elle était dégueulasse. Si on résume, Shirley, tu as tué tout le monde. Non, juste ceux qui aimaient pas ma décoration. C'est pas bien, c'est normal après tout, non? Ouais, faut déconner non plus. Non, Marc, pas du tout. Je n'ai pas du tout Minecraft. J'allais dire, Astrée, tu vas tout habiller dans la baignoire, toi, tranquille. Commence pas à dire qu'il a pas le droit de rentrer. T'es pas chez toi. Et c'est sa maison à lui, donc il a le droit de rentrer où il veut. Même dans tes fesses. Oh, qu'elle est vulgaire. Je suis d'accord, ceux qui sont pas d'accord avec toi, on les tue et c'est tout. Bah, bien sûr. Attends, Caleb, 2 heures, même plus de 2 heures de rénovation en live pour faire tout le rez-de-chaussée de sa baraque. Il a adoré. Il a pas payé. Bah, il l'a senti passer, hein. Le courroux s'est abattu sur lui. Le courroux de Shirley. Donc la chambre d'enfant. Et si on arrive dans une baraque où il n'y a pas de chambre d'enfant, comment on fait? Et s'il n'y a pas d'enfant? Allez, il est temps de décorer. Mettons-nous au travail. Travail. J'ai peur. J'ai très peur. Que va-t-il se passer? Peur qui a peur, moi? Ah! 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 C'est la maison qu'on a déjà refait ici? Ça veut dire qu'ils ont pas aimé notre déco? Bah, c'est vrai qu'on avait tué une des gamines. Il y avait une meuf là-dedans, elle a pas aimé, donc on l'a tuée. Il est rentré tranquille, quoi. Souvenez-vous, cet espace-là, c'est nous qui l'avons fait. Et cette meuf-là, c'est nous qui l'avons tuée.
Non, non, on a déjà été folle. Non, on a déjà été folle, n'importe quoi. Remercier pour l'opportunité. Ah oui, parle pas avec eux, tu vas pas voir ce qu'il faut. Comme mon renseignement. Aime la recherche et le débat. Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Il faut que je rénove la chambre que j'avais déjà faite? Parce qu'on est d'accord qu'il y avait que deux chambres. Et ici, c'est pas une chambre d'enfant, c'est une chambre d'adulte. Donc je fais quoi, en fait? Parce que la recherche débat, on l'a déjà. Oh merde! Il est possédé, le gosse! Il est en train de l'éviter. Oh non. Promettre une rénovation réussie. Demandez à voir le tableau Sims terrestre. Ah, il aime le violet et le rouge. Quel bonheur. Ça se marie pas trop. Du coup, tu vas refaire la chambre. Hein. J'aime bien poser la question que tu vas poser juste après. Oh, puis il aime le sport, il aime le fitness. Mais et les enfants, ça fait pas de sport. Ben, je sais pas. Écoutez, vous allez décider pour moi. Est-ce qu'on se retape la chambre? Elle est très bien, ma chambre. En vrai, je l'aime trop. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Il n'y a pas de place. Et on peut pas créer de mur. Oh là 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 là. Trop de choses qui me compliquent la vie ici. Moi, je ne sais plus. C'est plein de désordres. Vas-y, plein toi de désordres. On fait le haut. Mais ouais, mais ce sera pas une chambre d'enfant. Lance le contrat aussi au cas où il y a contrainte. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai pensé. Bon, après, on a tout ce qu'il faut en vrai, donc. Vas-y, donne-moi tes décorations. T'es bon, ta gueule, toi, dégage. Violet et rouge, quoi. Fais une petite chambre avec deux lits. On la transforme en chambre d'enfant. Ah, il va falloir, de toute façon, hein. En plus, il aime pas le gosse, il aime pas les gosses. Pouah, des enfants. J'aime bien, ça me fait rire. Karenzi, Ma, Liamba, Seneca, Patharjo, Ma Blaf. Tu t'en vas, Ricardo? Je sais plus. Je t'ai dit bonne nuit, je sais plus. Oh, bullet. Yikla. Bon, bah on va le virer, hein. Ouais, vas-y, dégage. Tu sers plus à rien. T'as jamais servi à quoi que ce soit, de toute façon, sale gosse. Comme ça, on voit et... Oh, bah ça y est, le soleil revient. Oui, dégage. Eh, cassez-vous. Alors, allons voir tout de suite. Non, il n'y a pas de contrainte. C'est marqué simplement aucun nouveau carrelage. Il n'y a rien de spé. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Arrête-toi. Monsieur Connery. J'aurais dû l'appeler Sean. Sean Connery. Sean Connery. Monsieur Connery.
C'est Monsieur Connery. Tracote. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait le haut ou le bas? En vrai, elle est très bien cette chambre. Mais une chambre de enfant là, quand même, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il y avait encore quelqu'un. C'est moi qui est affabulé. Ah oui, pour mettre la cabane à la petite tente. Ouais. Ce quel gâchis, hein. Une belle chambre comme ça pour des gosses. Non mais... On n'a pas idée. Regardez cette vue incroyable. Oh, si... à la limite, s'il pouvait se jeter de la... depuis le balcon, hein, ça pourrait être sympa. Mais je vais mettre deux lits, ouais. Je vais mettre deux lits. T'arrêtes un peu, toi, tes conneries. Non, mais il est fou. Il est complètement Starbucks, ce chat. Il est Starbucks. Moi, je veux vivre là, moi. Martial est plus là, mais... Mais Martial, je veux vivre là. Quand est-ce que tu m'achètes... une maison comme ça. Oui, bah, c'est lui qui va me l'acheter, évidemment. Vous croyez quoi? Alors, Jean-Claude, tu peux descendre, s'il te plaît? Que je puisse rénover. Tac, tac. Zibouya. Bah oui, Marc, bien sûr que j'ai payé les Sims. Maintenant je les paye plus, mais ça, mais je les, mais c'est, tout est officiel. Il manquerait plus que ça, tiens. Que je paye, que je craque le jeu alors que je suis game changer. Allez. Aïe 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 aïe. Vous avez entendu un bruit? C'est normal. C'est Tyrion, il se en courant, il saute sur l'arbre à chat qui a fait... En gros, il a fait du surf sur son tonneau, là. Et il a failli tout renverser. C'est un chat, c'est un idiot. Non mais le petit, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, c'est n'importe quoi, là. Ça fait... Non, non, Toundra, ça fait rien du tout. Hop, hop, hop. La bagarre. Moi aussi j'ai cru voir un truc sur la fenêtre. Tyrion, c'est quoi? Il y a un monstre? On se fait attaquer? C'est juste pour que vous voyez les chats, bien sûr. On va s'y mettre après. Coquin. Bon, de toute façon, ça... Il n'y a plus d'animation. Je sais pas, il doit se passer un truc intéressant devant. Mais c'est marrant, j'ai cru voir un truc bouger aussi, moi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de grimper à ma fenêtre. Je suis pas au courant. Vous allez me voir d'un seul coup être décapité, vous n'aurez pas compris. Oh, je pourrais faire le buse. Et vous en ferez un gif, hein. Un clip et après vous ferez un gif de moi qui me fait décapiter, hein. Ah bah attendez, je veux quand même... Hein? La postérité quand même, tout ça. Combien tu as payé? Combien j'ai payé quoi? Bah j'ai payé au prix que j'ai payé, je sais plus, je me souviens pas. Moi j'ai acheté saison aujourd'hui, je pense acheter jour le lessive. Eh ben n'hésite pas à passer par Instant Gaming, si c'est moins cher, tu as le lien dans le... en dessous.
Voilà. Oh là 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 là. Vous connaissez le catch? Ah voilà. Alors, chambre d'enfant, on a dit. Hein. Chambre d'enfant. Ou alors, on peut faire un lit superposé avec un bural en dessous. Type comme ça. Oh. Il aime le rouge et le violet. Il aime le rouge et le violet. Ouais, 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 ouais. Il va s'en bouffer plein le nez. Ouais, 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 ouais. C'est peut-être pas l'idéal parce que là, il y a une fenêtre. Mais bon. Il aime le rouge et le violet. Il va s'en foutre plein le nez. On va faire un coin rouge, un coin violet, parce que bon... C'est chaud, c'est pas forcément des couleurs qui s'associent, donc... Pour moi et mon premier banc, je suis tristesse. Ah, j'ai voulu être gentille sans réfléchir. Mais non, bah alors, où ma petite toundra, normalement, il y a le Nightbot, il te dit, si tu veux faire un lien, il faut demander avant. Si tu, il faut faire le lien. Je vais te donner la permission. Vu que j'ai plus de modo actuellement. Je vais te donner la permission. Voilà. Tu as 60 secondes pour poster le lien, ma petite toundra. Vas-y, tu peux. Tu te feras pas ban, t'inquiète. Et oui, parce que sinon, vous êtes automatiquement banni. On fait te taper sur les doigts. Oh, bah grave. Merci beaucoup, Toundra, pour le lien. Bah bravo, plus de modos. Bah écoute, j'ai des modos qui sont fatigués. Ils sont partis se coucher, c'est horrible aussi. Pour une fois que c'est pas moi qui suis fatiguée. I am not satisfied. I am not satisfied of the because of the bed. Ah no, it is not nice. I don't like that. Yes, I have a very good accent and what? King of Pama, you there? Because you will understand everything I will say. Because I have a very good English accent. You know that. I'm not Irish, but it's okay. English is English. Hi. C'est un fait rire certain. Oh, ma biquette, t'inquiète. Mais n'hésitez pas, si vous avez des liens à poster, comme des clips et tout, bien sûr. Pas des trucs chelous, hein, évidemment. Mais des clips ou... oui, un lien, voilà. Faut demander un permis avant. Non, Nightbot, il vous fait la fessée. Hein. J'arrive pas à choisir le lit. Ils sont tous moches. On peut mettre celui-là. Ah oui, tiens, on peut mettre celui-là dans un petit coin avec un paravent. Et l'autre... On peut le mettre là. Et là, il y aura l'air de jeu. Bureau et air de jeu. Allez, on va faire ça comme ça, on va pas perdre de temps, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Ils l'ont pas fait en rouge. Ils l'ont pas fait en rouge. J'ai chaud. Je me retiens d'enlever cette robe. Incroyable. Il me retrouvait nu. Nu comme un verre. Nu comme un trou de balle. Ah, écoute, on va mettre celui-là. Ah, putain, ça dépasse. Oh, j'ai dit putain. Oh merde, chiotte. Oh merde. Quoi, c'est un mélange entre un E et un J et un F à l'envers. C'est très bizarre. Très bizarre. Ah. Wesh, ouais,
lâche la mouche sur mon clavier. Tu t'es cru où, en fait? Elle est folle. Elle est folle, la mouche. Pardon. J'ai dû en réveiller 2-3 dans le chat, là. Salut, ça va bien? Qu'est-ce qui se passe, petit cœur? On est en France, on parle français. Ya! Yavol! King of Pom, yavol! Alors, tu vas changer ton pseudo, hein? Non, mais dis donc. T'en as marre de Ricardo, je suis d'accord. Bonne nuit à toi, mon Ricouze. Fous-lui une claque quand tu le verras. Magnifique accent très anglais, t'as vu, hein? C'est superbe. Hein, je parle très bien l'anglais. Mais si, j'ai suivi! Et salut Topia, comment vas-tu? Tu peux, on verra rien, l'encart montera pas, montrera pas. Hein? Tu me conseilles quoi comme prochaine extension à acheter, Charlie? Alors, tu hésites avec quoi, Yoshi? Ok, dis-moi avec quoi tu hésites et je te dirai qui tu es. N'importe quoi. Eh, hey, mais y a pas les trucs avec le machin. Bon. C'est quand même étrange, hein, ces couleurs rouge et violet. Peau de zorba, comme on dit. Il a vraiment des goûts de chiottes, ce gosse, hein, la vache. De toute façon, s'il aime pas, il meurt. C'est dommage! Quel dommage, il sera mort dans un si jeune âge. Quelle tristesse. Ah! Sublime, ma chérie. Paravent doublé d'un petit miroir. C'est pas si magnifique ici, quand même. Et la même en rouge. Juste pour pouvoir se toucher tranquille sans que l'autre en face il te mate. Eh! Eh! On a là-dedans. Avec tout sauf saison et jour de lessive, hein, j'ai plus rien. Comment ça, t'as plus rien? Un peu pompette? Bah alors, ça a été picolé, Utopia? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu nous invites pas? Bah alors? Ça va pas. Hein. Ah non, 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 je suis pas d'accord. Non. Ah non, non, vous avez pas le droit de picoler sans moi. Hein. À un moment donné, faut dire les choses. Hein. Ah, c'est pas possible. Hein. Alors, vous inquiétez pas si je fais des choses absolument moches. C'est normal. Il veut du rouge et du saucisson. Enfin, du violet, pardon. Donc ce sera forcément laid. Mais c'est lui qui l'a voulu. Hein. Voilà. Mon travail, c'est de satisfaire le client. Faut le satisfaire. Du nécessaire. C'est immonde. C'est horrible. Et n'oublions pas la recherche et débat. Et le fitness! Aux petits oignons, la Reno. Aux petits oignons. C'est horrible. Donc oui, ce sera dégueulasse, hein, ce que je vais faire, évidemment. Mais voilà. Soyons fous, soyons gueudins. Oh oui, le petit tapis rouge. Ah là, c'est tapis violet. Violet et rouge. Et merci Twen pour ton follow. Bienvenue. Et il est parti dormir, Martial. Mon petit biquet, il était fatigué. Tu peux enlever ta robe? D'accord. L'alcool est venu à moi. Ah oui? T'as ce pouvoir-là, toi, Utopia. Moi, je t'invite à une soirée. Hein. Si l'alcool, il vient tout seul. C'est cool, c'est gratuit, en plus. C'était le compte de mon frère que j'utilisais, mais maintenant, j'ai passé le cap de me faire un compte pour faire... Pourquoi pas faire des vidéos? Du coup, plus rien chiotte. À part saison et lessive, dans ce cas-là, si tu aimes bien le gameplay avec la famille, être parent, hein, évidemment, pour que tu puisses t'arracher les cheveux autant que moi. Donc ça va bien me faire rire, moi aussi, ces histoires. Non, on va mettre un peu moins... C'est parfait, ça. Sinon, vivre ensemble, parce que Windenburg est canon.
en vrai, visiter Adine pour les appartements et la vie en ville est très bien également. Ça, c'est vraiment pour les trucs de base, on va dire. Ça, après, c'est forcément des extensions. Sinon, mes petits coups de cœur, moi, bah oui, bah justement, t'as 10 saisons. Heureusement que c'est la saison. Chien et chat, si t'as envie de t'emmerder avec un chien et un chat, dans la vraie vie, bah tu vois, ils sont chiens, bah c'est pareil dans les Sims. C'est pareil, il a dit, regardez. C'est pareil. Tu peux pas le contrôler, il fait que des conneries. Ouais ? Ah oui, tu fais des conneries, vas-y, qu'il me mord le doigt. Ça suffit, toi. Ça suffit, des conneries. Se disons que dans les Sims, les animaux, déjà, moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils prennent une place dans le foyer. Donc, quand tu fais un challenge générationnel et que t'as besoin de place pour faire des enfants et tout, bah, c'est chiant. Et puis, ils sont très, très dans le besoin. Et qu'il y a déjà galère avec le temps et les occupations des Sims et tout, pour s'occuper aussi bien des animaux comme ils le mériteraient. Oui. Oui, mais non, tu restes pas. Voilà. Donc, chien et chat, oui, mais... C'est pas un de mes préfs, quoi, vraiment. Ensuite... On va mettre ces conneries, là. Rechercher des bras. On va mettre celui-là. Hein. Vas-y. On va mettre là. On va mettre là, plutôt. Ça ressemble à rien, mais on s'en fout. Et fitness. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Oui, il y a ça en rouge. Hein. Allez, hop. Voilà, ça c'est fait. C'est horrible et ça prend toute la place. Et j'ai dépassé le budget. Oh yeah yeah. J'ai dépassé le budget, j'ai rien mis dans cette chambre, c'est vraiment pas de bol. Ça coûte beaucoup trop cher, toutes ces conneries, ouais. Oh là là, mais y'a rien! Y'a air, on peut rien faire, ça coûte trop cher! Ouais, j'ai choisi le cher aussi, on va mettre le moche alors. Après, j'adore Paranormal parce que le CUS est très cool. À la fac, le CUS est très très cool également. Décoration d'intérieur, énormément de meubles. Et ils sont tous vraiment cool. Y a quand même pas mal de choses qui me plaisent en fait. Oui, King of Pom, je t'écoute. Salut Kaidan, comment vas-tu? Je ne m'appelle pas Utopia pour rien. Quel est le sondage que tu veux utiliser, mon petit King, King, King? The king and the queen. I am the queen. You are the king. Of pom, but me, I of the petit cul. Yes. I am the queen of the petit cul. What do you say about that? What do you say about that? L'âge des gens. Ah ouais, alors là par contre, faut que tu me donnes ta catégorie. Comment tu classifies? 0 à 15, de 15 à 20, tu, voilà, faut que tu me fasses tes petites cases parce que moi je vais pas les faire moi-même. Tu donnes les réponses, sinon ce sera oui, non. Et ça, je pense pas que ça va te plaire comme réponse. Vous voulez des cadeaux? C'est violet. Vas-y, on va mettre des cadeaux violets. T'en as foutre. Ah non, franchement, là, on va dans la mocheté, hein, en même temps. Je suis en train de m'emmerder avec ma robe là en dessous. Cet enfant n'ayant pas déjà de goût de base, ben on va lui mettre que du caca. Ah, trop bien, on va la mettre sur le balcon. Oui, mais là je suis en train d'acheter des trucs. Mais je voulais une... commode pour ranger les fringues. Ah, ça c'est pas trop cher. Ça en vrai ouais. Arrête Jamie, je te sens que tu joues avec ma jupe là, avec ma robe. Ça m'énerve. Non, c'est pas beau. Ils sont où les trucs là de décoration? Je sais plus moi.
On va filtrer parce que... contenu pack. Arrête avec ma robe, tu m'agaces. Sachant qu'il adore quand je mets des robes longues parce qu'il arrête pas de se foutre entre mes pieds pour choper le bas de la jambe. Et il me court après. Donc je vous raconte pas le nombre de coups qu'il s'est déjà pris. J'ai pas fait exprès, hein. Mais voilà. I am not en balade. I am led, but not en balade. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi pour les cris. Mais je le sens qu'il vient faire des... Je sais pas quoi, ces moustaches-là, et ça me... Ça me crisps. Ça me crisps. Là, du rouge, du saucisson. Alors, 0,18, 18, 30, 30, 40, 40 plus. Très bien, c'est parti pour le sondage, nouveau sondage. Alors, votre âge. Tu m'as dit 0,18. Tu vois, très large, tu vois. 0,18. Attendez, je ne sais plus. 18, 30. 18, 30. 30, 40, c'est ça? 30, 40 et 40 plus. 40 morts. 40 jusqu'à la mort. Tu vois, je vais mettre 40 morts. Voilà. Et vous avez 2 minutes pour répondre au sondage, mes enfants. N'hésitez pas à dire si vous êtes plus proche de la mort que de la naissance. Voilà. N'hésitez pas. Ici, on s'amuse, c'est le fun. Ce pack décoration... Attends, j'ai pas... On va mettre un peu de violet parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Ah, sticker charomancie. Mais oui, en moins moins. Ah, on va le mettre là. Et on va prendre un truc rouge de l'autre côté. Ça va faire magnifique, ma chérie. Ah, un petit lapin dans du ruban. Incroyable. C'est sublime. Je suis estomacouée. Ouais, couée. De tant de beauté dans cette chambre. N'est pas très cohérent, les envies des Sims ont pas beaucoup de sens. Pourquoi ne pas avoir des envies de type couleur plus un type de décoration au lieu de trucs random comme le sport et la lecture? Oui, je suis d'accord, Kaida. Je suis complètement d'accord. J'ai oublié de changer mon titre, dis donc. Les Sims. Oh là là. Oh là là, je vais y arriver. Go, c'est parti, mon titre est changé, les enfants. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour avoir tous les packs et kits, mais ça va être très longtemps. Bah après, si il y a des bonnes promos, profites-en. J'adore le 40 morts. Bah écoute, c'est... Voilà. Qui est l'autre 18. Au mois de juillet, je ne serai donc pas seule. Ah, c'est Cheap Power, coucou à toi, bienvenue. Je te présente mon soldat, qui est notre petite fille du chat. Notre petit enfant qui se couche à 21h. Ah, mais non, il y a ça, c'est pas mal. Alors, une majorité de 18-30. Attendez, j'ai pas tous les résultats. J'ai envie de les lire, comme ça je vous vois. Voir les résultats. Alors, sur les votants, vous êtes combien à avoir voté? Je ne sais, je n'arrive pas à voir combien, c'est pas grave. Il y a 44%, soit 8 personnes qui ont entre 18 et 30. Il y a 33%, soit 6 personnes entre 30 et 40. 3 personnes, soit 17%, entre 0 et 18. Et une personne qui est entre 40 et la mort. En même temps, j'ai envie de dire, ça rejoint mes statistiques YouTube. J'ai à peu près les mêmes statistiques YouTube, donc c'est pas... Non mince, je voulais mettre 18 ans. T'as mis quoi, Yoshi? Alors? Il est minuit. Non, moi, il est 23h59. Heureusement, je suis proche du 40 que mort. J'avoue, je l'espère pour toi également, ma petite cœur. C'est mieux.
C'est quand même plus sympa d'être proche du 40 que proche de la mort. Des vieux, ça dépend ce qui est vieux pour toi. Car perso, je me sens dans les vieilles. Vieux, c'est 40 ans. Il y a des vieux quand même. Mais il y a des personnes qui ont beaucoup plus que 40 ans hein, sur mes lives. T'as mis 0,18 ? Ah là là. Et y a pas en violet ? Il y a en rose. Bon bah on va le mettre en rouge. Petit panier. Petit panier. Et ça tu l'as pas en violet ? Si. Allez hop. Chouchoubit à tout le monde, il est minuit, chouchoubit. Chouchoubiti. Chouchoubiti, oui, tout à fait, meuf Chantal. Chouchoubiti. Donc forcément pour YouTube, c'est pas du tout minuit, mais chouchoubit quand même à vous. Hein. Vous inquiétez pas, hein, on pense à vous. Hein. Là, je rajoute des petites merdasses. Oh, violet rouge, nickel. Il n'y a même pas de table, il n'y a même pas de... Oh là là. J'ai même pas mis un bureau. Écoutez. C'est l'angoisse, cette mission. Il y a que dalle comme budget. Cette lampe, on va la virer aussi. Hein. Oh oui, 200 boules hein. Oh mazette, mazeltov, tabarnak. Je vais au moins mettre un bureau, en fait. Y a pas de jouets. Voilà, on va mettre un bureau rouge. Y a pas en violet aussi, parce qu'il y a quasiment pas de violet. Si, y a en violet. Nickel. Je fais ce que je peux, hein, les enfants. Je vois... Qu'est-ce que tu fais? T'es chiant. Jamie, tu es chiant. Juste, tu es chiant. Il est content, hein, il est sur sa maman. Merde! Mais attends, à cause de toi, j'ai cliqué! Mais elle est où ma chaise? Je sais pas où je l'ai foutu, mais. Ne va pas sur le clavier, t'as pas le droit. Laisse ce verre tranquille. On a marre, hein? La 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 la. Putain, il est devant nous, je vois plus rien. Bouge ton fessard, petit chaton! On va mettre les papillons blancs là, c'est très bien. Clac. Alors, on a mis un bureau. Non, tu manges pas mes bijoux non plus. Oh là là là. J'ai même pas refait le papier peint. Bon. Tu es chiant. Tu es chiant. Tu es chiant. C'est la pire mission. Je dépassais de 125 dollars. Merde. Les stickers, c'est pas ce qui coûtait le plus cher. Oh, 635! Mais t'es malade dans ta tête! Oh, c'est quoi cette musique? Je l'aime. Tendance un peu... Stranger Things. Oh. Budget, madame, merci. Dieu que c'est vilain comme pièce. Je sais, Kaidan, mais je sais bien. Mais regarde ce qu'on m'a donné comme... Hein? Du violet, je suis pour, mais avec du rouge, s'il te plaît. C'est hideux. Je fais vraiment ce que je peux, mais c'est de la merde. C'est ça, c'est sûr. Hein. Ah, faudra pas... Faut pas venir pleurer. Hein. Ah, je l'ai dit tout de suite. Hein. Ça va être laid, hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Une chambre d'enfant avec tout ça. Allez, zou, on va faire un tour, toi. Ah oui, il y a ça aussi que j'ai jamais utilisé. Bon, c'est moins cher. Hein. C'est quand même 400 balles, ça. Charlé, le budget. Oh, voilà, regarde, ça, c'est beau. Il y a un tuyau violet. Ah oui, nickel. Nickel. C'est combien? 200. C'est cher quand même.
paravent bambou, il est encore plus cher que les autres. Mais ça, c'est pas cher, en vrai. Mais bon, il n'y en a que rouge. Bon. On va prendre... je l'ai jamais utilisé, ce truc-là. En même temps, dans quelle occasion tu veux mettre ça? C'est affreux. Ah, c'est vraiment la pire... La pire mission et la pire décoration. Amixem sort de score. Ne rentre jamais, surtout. Pas déconner. T'es peut-être riche, mais alors... non, merci. Déjouer. Yes, 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 des jouets par milliers, tabarnak. C'est couleur mauve. Qu'est-ce que tu fais? Va voir ailleurs si j'y suis. C'est horrible. C'est très très laid. 500. Ouais, ça passe. Ah, il faut bien qu'il y ait des éléments type enfant. À un moment donné. Ah bah regardez. Tac, allez. Purée de pommes de terre. Je vais virer le drap de bain. Ça va me faire récupérer 20 simflouzes. C'est moche! Que c'est moche! C'est affreux, c'est hideux, c'est dégueulasse. Ah oui. Oui, 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 je vote oui. Je vote oui, je vote non, je vote tout ce que tu veux. Ah la pire! C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Peut-être changer la barrière. Non mais tu crois qu'on a l'argent? Faut vraiment qu'il change ses envies de Sims pourri. On peut pas modifier la rampe barrière d'escalier. Si, 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 si. Mais quel prix? Si on garde la même, ça passe. Si, ça rouge. Ah, tu l'as choisi, hein. Voilà, miam miam. Une moins chère, ah bah non. Oh bah pour prendre ça. Tiens, on va faire en violet. Non, on va faire ça comme ça. De toute façon, c'est moche. Je ne vois pas. Et après, ils vont nous rappeler en disant, bah on veut nos nouvelles chambres. Qu'est-ce que c'est moche! ...32 simflouzes. Ça va, hein. Si tu veux, on peut mettre ça, le ruban danger. Non, ça va, ça va, ça va. Ça va, y a pire. 130 simflouzes, il va me rester un peu de temps pour acheter des bonbons. Ah, t'as des coins rouges. Ça là. OMG, OMG, c'est affreux. Mais j'ai honte hein, de faire ça, moi, perso. Je sais pas vous, mais moi j'ai honte. Hein. C'est affreux. Vous savez quoi? On aurait dû faire comme on voulait. Hein. Là, le pire, c'est que encore une fois, je tombe dans les travers de. Il faut que je respecte les demandes. Ça ne va pas du tout. Des jouets, ça c'est bien ça. Ça il y avait en rouge, Pierre, bonjour, voilà, c'est magnifique. Ah, désolé, je suis trop à l'intérieur. Voilà. Vous rentrez dans la tente pour enfants.
Vous voyez ce machin qui a trois yeux et qui a la bouche ouverte. Voilà, c'est le bruit qu'il fait dans la nuit. Et il vous attend pour vous attaquer. Oh, il y a les petites guirlandes. J'ai pas assez. Et les guirlandes tongs, j'ai pas assez. Attendez, ça m'a coûté combien cette merde? 50. Doucement! Y'a pas assez d'argent. Ah. Ouais, trop bien. 115, je peux pas la mettre, c'est trop cher. 100, c'est trop cher. Un petit M-Taro là. 25, je peux mettre le petit M-Taro violet. Je peux. On va mettre le petit M-Taro. C'est un M-Taro, je me bourre. Le chat. Et ça, 35, j'ai pas assez. Allez, le petit camion rouge. Voilà. 10 Simflouz. 10 Simflouz. Il fait peur, mais pitié, c'est joué. C'est beau, je trouve, mon Yoshi. Ah, ça, elle est dégueulasse, cette pièce. Franchement, il n'y a rien de pire. Les couleurs sont à chier, et puis les goûts sont à chier. Je suis vulgaire. Il me reste 10 Simflouz. Je peux même la voiture et je peux pas. Décoration, dossier d'affaires, ouais. Oh, je peux mettre ça. Là, il y a les cadeaux. Ils valent cher, les cadeaux? J'ai pas fait attention. Il n'y a même pas de table de chevet, il n'y a rien. 148, les cadeaux, c'est supprimé. Écoutez. C'est waouh. À chaque fois, il y a un revival et tout. Parce que à chaque fois, je découvre que je mets des trucs trop chers. Et ça ouvre d'autres possibilités. Tom Tentacule. S'il t'attrape, il... Le petit coin-coin, le petit coin-coin rouge, un coin de la chambre, il vibre, c'est très marrant, à certains endroits. 63. Ça, 90. Merde. Le coin-coin ou le docteur? Le coin-coin ou le docteur, les enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Visage avec des larmes de joie. Visage avec des larmes de joie. Visage avec des larmes de joie. Mouton noir. Visage avec des larmes de joie. Visage avec des larmes de joie. 3. Te garde. Te garde, exactement. Mon soldat, je sais pas si j'autorise. Hein. Allez. Alors, le coin-coin ou le médecin? Parce qu'on peut pas faire les deux. Le coin-coin, visage avec des larmes de joie, c'est ça. Le coin-coin. Vous préférez le coin-coin que le kit médecin nounours bedon? Oh. Vous êtes chaud? Ah, mon chaton. Et il est planqué là, il est derrière le rideau. Il fait son gogol. On a 1h08, s'il vous plaît. Médecin. Alors, il y a deux coins-coins, trois médecins. C'est maintenant que tout se joue. Titi coin-coin. Titi coin-coin. Ah oui, c'est toi, mon bébé. Nous, on fait le médecin, il pourra guérir à domicile. Allez, bah, on va faire le médecin. On va le prendre en violet, parce qu'il y a peu de choses. Et je vais le mettre dans ce coin-là. Voilà. Il reste 63. Non, c'est 90, le coin-coin. Le nounours, beaucoup d'amour. On va le prendre en rouge. Voilà. On va le mettre là. C'est une chambre d'enfant, après tout, hein, les enfants. Voilà, 18 Simflouz. J'ai clairement plus assez d'argent pour faire quoi que ce soit. Je pense. Je vais mettre ça, encore, quelques-uns. Une boîte de mouchoirs, non, panier, je peux pas. Des documents, un menu. Ta crème solaire.
Des croquettes. Ah, on peut mettre des croquettes, comme ça ils pourront bouffer. Des croquettes violettes. Vas-y, on va leur mettre des croquettes pour qu'ils puissent manger, ces enfants. Quand même. Quand même. Faut bien qu'ils bouffent, ces gosses, hein. On va les mettre dans la tente. Ils vont être contents, ils auront à manger dans la tente. Ils pourront grignoter. Voilà. Le rideau qui amène aux toilettes, tu peux pas le changer. Mais non, c'est pas les rideaux, c'est les paravents. Pour qu'ils puissent avoir leur intimité sans toucher la nouille. Tranquillement. Et je mets 2 lits parce qu'il y a quand même du monde dans la baraque. Sinon, bah, ça fait triste, quoi. Voilà, nous avons fini notre rénovation incroyable. Ah oui, c'est moche, un petit cœur, mais je l'ai dit, hein. Ça allait être dégueulasse, hein, finalement, avec ces dégoûts pareils, c'est pas possible. Hein. Ah non, je peux rien faire. Des stickers! Sticker Mickey, sticker princesse, sticker Jemalou, sticker Cachou, sticker Apollon. Même si c'est pas rouge ou violet, ça. Balle pleine de bave, bah super. Sticker Nonon. Destin l'état Nonon. Tantantin. Je connais pas les paroles. Le Diams. C'est les trucs du Diams. Peut-être pas Nonon. Je connais pas les paroles. 40, non, c'est trop cher. C'est trop cher le sticker arbre. Mais pourquoi tu es vert l'arbre aussi? Vas-y la mouche, casse-toi de mon écran. Allez, soyons fous. Soyons dingues. Ah non, 2 siffles. Mais sérieux? Ah oui, on n'est pas... Ah là 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 là. Celui-là, nuage. Allez. On va le mettre là. Il nous reste 3 simflouzes. La maison, la chambre est terminée. Je m'en fous, c'est absolument dégueulasse. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Tu connais pas, oui, bah oui, je connais pas les paroles. La porte, tu veux dire. Arthur par chance, assiette pour fromage. C'est vrai. Mon dieu. Mais si avec ça je suis payée. Il y a un problème dans la matrice. Hein. J'avais pris de là. C'est tellement moche. Je suis choquée de tant de mocheté. Mais pourquoi tant de laideur? Les Sims, pourquoi vous faites ça? Avec le paquet de croquettes pour les gosses quand même. Il y en a, ils seraient choqués. Hein. Mais heureusement, vous l'avez même pas. Vous avez même pas relevé cette indignation. Comment ça, les enfants, ils vont manger des croquettes? Non mais... Allô quoi? Elle est folle celle-là. On pense quand même à ce qu'ils mangent. Je trouve que c'est très bien. Allez hop, c'est bon. Ah. Allô. Ah. C'est pas le même angle, mais on s'en fout. Oui. En vrai, je sais pas, j'aime pas Diams, moi non plus. Je suis pas quelqu'un qui m'a plu niveau musical, mais je sais qu'elle a plu. Donc, Bonne nuit, Louis. Des bisous. Ça m'a fait rire, les croquettes. Ils en font un débat politique. C'est tout à fait normal, tout enfant qui a eu accès à des croquettes gamins, un minimum goûté. Ben écoute, je ne pense pas que ce fut mon cas, mais bon, pourquoi pas. T'es stressée, petite enfant, avec tes goûts de chiottes, là? En même temps, t'as des cheveux jaunes pisse et les yeux marrons, qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, de base, il est destiné à faire de la merde. Comment on fait, déjà? Ah oui, dévoilé.
C'est par ici, mes amis. Viens de découvrir. Attends, je veux prendre l'enfant qui se cache les yeux, non? Oh là 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 là. Le gamin, il passe à travers les... D'accord. T'es pas du tout buggé, toi. Ah oui, non? Ah là, tout est normal. Ah bah... Oh! Wow! Tant de beauté. Dieu, c'est laid. Quel est le délire? Ils sont en haut, ils sont pas en haut. Ah ça y est, le petit enfant, il arrive. Voilà, nickel. Ça sera pour ma miniature, ça. Ça sera pour ma miniature. Ah, vous avez les coulisses, hein. Vous avez la coulisse, vous croyez que pendant que je fais les miniatures pour Lord Enedi, je fais comment? Sauf que vous voyez pas, mais je coupe, parce que, bah oui, mais je fais comme ça. Hein. Oh bah oui, la téléportation, on aime ça! Alors, frimer avec des objets. Regardez ça, regardez ça, et regardez ça. Regardez les croquettes. Discuter avec les clients. Discutons, discutons. Complimenter. Demander de l'aide. Raconter une blague sur les bernacles. Oh, tabarnak! Venez découvrir le désastre, le ruinage d'étage. Ah bah écoute, Kaiden, je fais ce que je peux, malheureusement. Je sais pas, mais bon, on a fait ce qu'on veut. Voilà, avec les indications, et pas mieux. Hein. Enfin, si, il est sûrement mieux, mais je n'ai pas de talent, donc forcément. Oh là 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 là. Alors, petite enfant, t'es content? Oui, il a le sourire, hein? Il a pas l'air de pleurer? Oh, un lit rouge! Oh, un lit violet! Oh, il a l'air content, lui aussi. Même une histoire, enfin une famille chelou. Hein. Bon, maintenant ils sont que 7. Hein. C'est ça qui est beau. Parce qu'il y en a une qui a mystérieusement décédé. Ouais, la blondasse, la gamine blondasse, elle est un peu folle aussi sur les bords, hein, je crois. Alors. Oui, Maxime Bida, on te connaît pas. Un ancien client de Kurt lui a envoyé un nouveau client potentiel, c'est bon signe pour sa réputation professionnelle. Oh, il fait un câlin! Ah oui, il a encore les trous de cette fée bouffée par le vampire. Bon, il a l'air d'être content et double câlin alors qu'il aime pas les gosses, quand même. Pouah, des enfants. Un premier verdict a été... Un premier verdict est disponible, allons-y. Elle est morte tragiquement, ouais, il paraît, ouais. Ils ont l'air d'apprécier, tant que ça leur plaît, c'est le principal. Ah oui, tout à fait, hein. On verra bien. Hein. C'est un oui pour madame. Câlin, carrément. Bon, elle aussi, elle a l'air contente. Mais bon, je vous rappelle que la dernière fois, avec Caleb et son gosse... ils étaient contents, ils m'ont pas payé. Hein. C'est un deuxième oui, je pense. Elle, je crois qu'elle va pas kiffer. Alors, demandez la verdict final. Demandez le verdict final. Ah, c'est elle qui fait. Elle aime pas le tapis. Mais toi, tu vas mourir, fais gaffe, hein. Il va plus y avoir beaucoup d'enfants dans cette famille, à force. Hein. Je demanderai aux petites enfants
Récanter la rénovation de l'espace pièce. Ça va peut-être lui faire changer d'avis. Non, la salle de bain, j'y ai pas touché, Greluche. Hein? Ça sert à rien d'aller là. Salut Laura, comment vas-tu? Salut Pauline, comment tu vas? Ah si, c'est cool, elle a kiffé. Demandez le verdict final à madame. Madame est enceinte ou alors a juste du bide? Bon. A priori, on est sur quelque chose d'assez positif dans l'ensemble. Pour l'instant, personne n'a chié sur mon travail. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur vu qu'il pleure. Il lui raconte à elle. Alors, tu vois, comme j'avais pas de budget et qu'en plus c'était vraiment des goûts de merde, j'ai vraiment raclé le fond de chez Saint-Maclou pour faire deux vieux paravents de miteux. Quelle est ta date d'anniversaire? Il l'a dit des fois, la dernière fois, Marcel. C'est en novembre, c'est le 17. Donc il y a le temps. C'est dans 5 mois, pile, quasiment. Un petit peu moins de 5 mois. Bon, ils ont l'air tous hyper emballés. Il manque le petit enfant. Pour l'instant, il n'y a personne que je tue. Sauf que s'ils ne me payent pas... S'ils ne me payent pas, les enfants, on est d'accord que je les tue un à un. On va se faire une petite rangée, là. Ils vont tous mourir. Je vais tous programmer avec le MCC, je vais mettre play, ils vont tous scanner en même temps. On est d'accord, ce sera une exécution. C'est leur risque. Non, on laisse que dalle. On laisse que dalle! Pourquoi on devrait laisser un adulte un enfant, vous? On a gagné la thune! On a gagné la thune! C'est bon, on n'aura pas de mise à mort aujourd'hui. Eh ben écoutez, ils ont juste des goûts de merde, hein, parce que là, c'était affreux. Mais c'est fait. Alors, donc, on a gagné 762 simflouzes, une forte amélioration de la réputation professionnelle, et on va rentrer à la zombie. Ah, ils ont eu de la chance, ils ont senti la mort planer au-dessus d'eux. Tu sais, on est passé derrière la dernière fois, et bizarrement, il y a la seule qui n'avait pas aimé est morte. Comme ça, tragiquement sur le sol. Oh, on n'a pas compris. Plus que 3000 bits et je suis à 10 000. Hein? Eh ben, à 10 000, je crois que t'as une autre couleur d'aubergine. Mais tu n'es pas obligé, évidemment. Garde tes sous après ce qui t'est arrivé. Tout. J'allais chercher les clients. J'ai oublié qu'on était chez nous. J'allais chercher les clients, mais bon, c'est vrai. Après ce qui t'est arrivé, garde tes sous, t'en as bien besoin. Alors, et j'ai pas eu le temps de lire, tabarnak! Bon, cela s'est bien passé, les clients ont l'air de beaucoup aimer le nouvel aménagement, avoir le sens du détail sans vraiment payant, que ce soit en simflouze ou en réputation. Mais... Ah ouais, mais quelle rénovation incroyable. Hein. Les menaces ont marché. Tu sais faire preuve des propositions convaincantes. Comment ça? Bon, ben voilà, on a gagné. On a gagné, on n'est pas encore au niveau 5. On monte doucement. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de faire des trucs bien à chaque fois. Et même quand tu vas à l'encontre ou quand tu fais des trucs moches, ça marche mieux que quand tu fais des trucs bien. C'est comme ça que ça se passe. Et bah du coup, moi, je vais arrêter là pour la rediff YouTube. Et je vous fais des bisous, évidemment, YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit com, un petit like, bien sûr, à partager la chaîne comme d'habitude. Hein. C'est le meilleur des soutiens. Puisque c'est que comme ça, avec les commentaires, les likes et tout, que l'algorithme YouTube dit muy bueno la vidéo et va la mettre un peu plus en avant. Voilà, je vous fais les gros bisous. Et on se dit très bientôt pour la suite du Let's Play. Découverte, décoration d'intérieur. Ciao, ciao.